Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été inspirée par ma fille. C'est suite à une expérience qu'elle a vécue. On en a parlé ensemble. Et puis, je lui disais, faut que je fasse ma vidéo du jour, tu vois. Et donc, elle m'a dit, bah tiens, tu pourrais parler de trouver une solution, un truc à proposer aux gens pour les aider les gens qui sont tristes et qui n'arrivent pas à tourner la page à la suite d'un décès. Elle m'a dit, ce serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'aide par rapport à ce genre de choses. Alors bon, je lui ai dit, c'est pas facile de faire une vidéo là-dessus. Un accompagnement individuel par rapport à ce genre de choses, c'est très bien, parce qu'on est tous uniques. Donc voilà, on a tous notre propre chemin, voilà, notre propre expérience. Donc en individuel, ça se fait facilement. Par contre, faire une vidéo sur ce sujet-là, avec donner un conseil, tu vois, pour ce genre de situation, c'est pas évident. Donc, elle m'a dit, mais moi, je peux t'aider, papa. Je peux t'aider à trouver qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et tout ça. Alors, on a bossé ensemble. Voilà, elle est derrière la caméra en ce moment. Et donc, merci, ma fille. Ensemble, on a bossé pour te trouver un petit truc à te proposer, si t'es dans cette situation, d'accord, justement, que tu es triste et que t'arrives pas à tourner la page suite au décès d'un proche. Je sais que c'est pas évident ce genre de choses. Donc, si tu es dans cette situation, on a réfléchi avec ma fille à te proposer une solution. Ce sera peut-être pas la meilleure solution, peut-être pas la top pour toi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on tient à t'offrir. Parce que c'est comme ça, tout simplement. C'est bien de parler aussi de ce genre de choses. Donc, voilà. On a réfléchi à un exercice que ma fille elle-même a pratiqué et qui est très efficace. En tout cas, pour elle, ça a été efficace. C'est un exercice que j'ai déjà aussi utilisé avec d'autres personnes. Donc, c'est pas mal du tout. Parmi plein d'autres choses. Okay, on n'a pas fait que ça comme exercice avec ces autres personnes. Mais bon, voilà. Bon, je ne vais pas parler tergiverser pendant trois plombes. L'exercice est le suivant. Je te mettrai tout ça dans le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, j'essaierai de te synthétiser ça à l'écrit dans la description de la vidéo. Donc l'exercice est le suivant. L'idée, c'est de déjà se relaxer. Okay. C'est vraiment un exercice de visualisation. Donc ça va te demander de te poser tranquille, te relaxer bien, tu vois, fermer les yeux, te détendre. Okay. Et puis d'imaginer en fait une bulle. Une bulle que tu vas remplir de tous les mauvais souvenirs en lien avec la personne qui est décédée. D'accord ? Tous les mauvais souvenirs. Vous avez partagé plein de choses dans votre vie, d'accord ? Il y a peut-être des mauvais souvenirs. Donc l'idée, c'est de charger cette bulle de tous les mauvais souvenirs. Je sais pas, même les reproches, les défauts, bref. Tout ce que tu mettrais comme ça, c'est pas bon, tu le fous dans cette bulle. C'est la bulle pas bonne, ok ? Qui va contenir tous les trucs pas bons. Donc tu la charges. Et puis une fois que tu as fait le tour comme ça, au niveau des souvenirs, au niveau peut-être des ressentis, des... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, quoi, au niveau de tous les trucs pas cool en lien avec cette personne que tu as en mémoire. Une fois que tu as fait le tour de la question et que tu as bien chargé cette bulle de toutes ces choses-là, t'imagines que cette bulle, elle s'éloigne. Elle s'éloigne le plus possible jusqu'à totalement disparaître. Cette bulle prend une telle distance qu'elle vient à complètement disparaître. On s'est débarrassé de tout ce qui était négatif. Ok ? Ensuite, t'imagines une seconde bulle, une nouvelle bulle, d'accord ? C'est pas une seconde bulle puisque l'autre a disparu, donc c'est une nouvelle bulle. T'imagines une nouvelle bulle et puis celle-ci, tu vas la remplir de tous les bons souvenirs. Tous les bons souvenirs partagés avec cette personne. Les ressentiments, les émotions, des mots, des images, tout ce que tu veux, tout ce qui est là pour le coup positif, ok, en lien avec cette personne, tu les mets dans cette bulle. Et une fois que tu as fait le tour de la question, d'accord, encore une fois, tu as bien fouillé dans ta mémoire, tu as bien rempli cette bulle, eh bien là, cette bulle, tu ne vas pas la faire s'éloigner, non. Tu la gardes là, et puis tu vas imaginer que cette personne qui t'a quitté, ok, cette personne décédée, tu vas imaginer qu'elle est là, face à toi. Tu as toujours les yeux fermés, tu es toujours dans cette visualisation, et tu la vois maintenant. Maintenant, tu la vois, et quand tu la vois bien, imagine que tu la vois et que vous souriez, parce que ça va être un beau moment, parce que cette bulle pleine de belles choses, tu vas lui offrir. Tu lui offres. Tu imagines que tu lui offres et en même temps,
tu lui dis merci. Merci pour tous ces beaux moments partagés. Merci pour ces choses merveilleuses qu'on a vécues ensemble. Merci infiniment. Prends le temps de lui dire merci. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Tu peux lui donner plein de messages d'amour comme ça, en lui offrant cette bulle de tous ces beaux souvenirs. Regarde ce cadeau que je veux t'offrir. C'est les moments qu'on a partagés ensemble. Ouais. Tu sais, il y a ce truc où est-ce qu'on dit, quand on meurt, on revoit toute sa vie défiler devant ses yeux. Et bien là, c'est un petit peu l'idée qui vient à reprendre comme ça l'histoire dans ce que tu as vécu, ok, fouiller dans ta mémoire, et puis tout ce qui est négatif, on le bazarde, ok, on prend que ce qui est bon, ce qui est plein d'amour, ok, ce qui parle de cet amour, et tout ça, on en fait un joli paquet cadeau, une belle bulle d'amour, ok, et on lui offre. Yes, prends soin de toi, tiens, merci infiniment, je t'offre ça. Voilà, c'est une manière de lui dire merci, c'est une manière de lui dire au revoir aussi, pourquoi pas. Voilà, merci pour tous ces bons moments partagés, et puis au revoir, je t'aime, voilà. Donc ça, c'est déjà un très bon exercice que je te recommande de faire. Il faut prendre le temps, hein, vraiment de se relaxer, et puis de bien visualiser les choses. Tu peux le faire en plusieurs fois, ok? S'il y a des souvenirs qui te reviennent plus tard, voilà. Tu peux faire cet exercice plusieurs fois, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de limite, c'est que du positif, c'est que du bon, c'est que de l'amour. Donc vas-y, nettoie, tu vois, tu nettoies le négatif, ça s'éloigne tellement loin que ça disparaît, et tu gardes le positif, le bon, les bons souvenirs, tout ce qui est plein d'amour, pour lui offrir, ok? Et ça, tu peux lui offrir plein d'amour comme ça, plein d'amour, yes. Parce que quand tu lui offres plein d'amour comme ça, en fait, tu t'en offres à toi aussi, en fait. Tu vois, tu t'ouvres. Ok, tu ouvres ton cœur et tu te permets d'accepter finalement cet amour. Tu vois, parce que si tu pleures l'être décédé, c'est pas parce qu'il est parti, c'est parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui fait ça. Ok, donc là, tu es en train de cultiver cet amour et d'embellir cet amour. Et quand tu fais ça, pour reprendre les mots de ma fille tout à l'heure, elle me disait, mais en fait, après, ça devient une force pour soi-même. Et c'est exactement ça, en cultivant cet amour, okay, quand tu lui fais ce cadeau, eh bien, tu cultives ton amour, et donc tu te renforces de tout ça. Tu fais une force de tout ça, pour aller encore plus loin et peut-être même mieux apprécier ta vie encore, donner encore plus de sens à ta vie, oser encore plus vivre ta vie, t'occuper de toi, prendre soin de toi, plus encore. Parce que tu deviens encore plus important pour toi, de cette manière-là. Donc voilà. Petite chose en plus, on avait marqué, se permettre de ressentir ce que l'on ressent, c'est important. Quand j'ai entendu plusieurs fois des personnes faire des deuils, dans cette phase de deuil, me dire elles cherchent à oublier, elles cherchent comment je peux faire pour passer à autre chose, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à ne plus souffrir. Voilà, et la personne en fait était enfermée dans ce truc de j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, donc je veux oublier, je veux passer à autre chose. Mais en fait, plus tu es dans cette dynamique de je veux oublier, je veux passer à autre chose, etc., et en fait, plus tu restes ancré dedans, enfermé dedans. Parce que tu portes ton attention sur le fait de... en fait, tu cultives ton état, ta souffrance. C'est donc important, en fait, de se permettre de souffrir, se permettre d'être triste, se permettre de pleurer, se permettre de ressentir ce qu'on ressent, voilà, sans chercher à oublier. Cherche pas à oublier. Pourquoi tu veux oublier? Pourquoi oublier? Fais quelque chose, fais-en quelque chose, d'où cet exercice de la bulle, tu vois. Tu peux, dans ce cas-là, en faire quelque chose. Oublier, tu pourras jamais oublier, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi. Donc, cherche pas à oublier qui tu es. Cherche pas à oublier ton histoire. Cultive ça. Embellis-le. Donne-lui de la valeur. Trouve ta force au travers de ça. Justement par cet exercice de la bulle. Ce qui n'est pas bon, on le bazarde à la poubelle, ça disparaît. À tout jamais, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ce qui est bon, ça me fait du bien. Parce que c'est moi qui estime que c'est bon. Donc c'est bon pour moi. Et quand je lui offre, comme tout à l'heure je disais, je cultive de l'amour pour l'autre, pour moi. Et là, je me permets d'être moi, je me permets de ressentir ce que je ressens. Et j'exprime comme ça mes sentiments. Et de cette manière-là, petit à petit, la page va se tourner. Petit à petit, tu vas te reconstruire d'une certaine manière. Tu vas renaître de tout ça, plutôt. Voilà.
Un petit conseil également, en plus, c'est l'écriture. D'écrire, prendre le temps d'exprimer à l'écrit, d'exprimer ses émotions à l'écrit, ça peut être un bon outil également. Tu vois, il y a des personnes qui font ce genre de choses. Voilà, pour qui est-ce que ça fonctionne bien? Un petit instant, hey, s'il te plaît, la table, parce qu'en fait, tu fais bouger l'écran. Il y a ma fille derrière qui faisait bouger un petit peu la table et j'ai vu la caméra qui a fait ça, tu vois. Voilà, bon, désolé pour l'aparté. Merci, Babette. Voilà, tu peux aussi faire ça. En plus, tu peux aussi prendre un bouquin, des feuilles, je sais pas, n'importe quoi, comme tu le sens, et puis écrire. Voilà, exprimer à l'écrit tes émotions. Ok. Peut-être dire, je sais pas, ce que tu veux. Au revoir, je t'aime, je me souviens de ça. L'exercice de la bulle, tu peux aussi le faire à l'écrit, tu vois. J'y pense là maintenant en faisant ces vidéos, mais rien ne t'empêche de prendre deux feuilles, tu vois. Et puis une où est-ce que tu vas relater tout ce qui est acheté à la poubelle, ok? Et puis tout ça, ben, une fois que au lieu que la bulle, tu l'imagines qui disparaisse, bah tiens, tu peux prendre cette feuille. Et puis tu la brûles, par exemple, comme ça elle disparaît totalement. Et puis sur l'autre belle feuille, où est-ce que tu as écrit toutes les choses positives, tu vois, les bons souvenirs, tous ces messages d'amour, eh bien tu peux, je ne sais pas, la déposer sur la tombe du défunt, par exemple, hein, ou, je ne sais pas, en faire quelque chose qui a du sens pour toi, en tout cas. Ou pourquoi pas la brûler aussi, mais utiliser les cendres d'une autre manière, ou avec une intention différente. Voilà. Donc après, c'est ton cœur qui te porte. Hein. Je te dis, on peut faire un travail, un accompagnement individuel pour ce genre de choses. Ce serait beaucoup plus facile, d'accord? Mais voilà, je voulais déjà t'apporter, nous voulions avec ma fille déjà t'apporter des informations, un outil, quelque chose pour éventuellement, peut-être, je ne sais pas, t'aider dans cette situation, dans ce que tu vis. Voilà. Bon, bah écoute, dis-moi en commentaire si ça te parle, ok, cet exercice, si ça a du sens pour toi, si tu l'as testé, si tu es concerné par ça et que tu as essayé, qu'est-ce que tu en as ressenti, qu'est-ce que tu en ressors. Si tu veux un accompagnement individuel, dans la description de la vidéo, il y a aussi mon numéro de téléphone, c'est simple, tu me contactes, on prend rendez-vous et moi je peux t'accompagner, c'est aussi mon job d'accompagner des personnes pour aller mieux, voilà, tout simplement, ok. Donc voilà. Merci pour l'attention que tu as portée à cette vidéo. J'espère que, comme je te l'ai dit, ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Et puis, bah, je te dis à la prochaine, ok? Ose vivre ta vie, prends soin de toi. Voilà, encore merci, merci infiniment pour toute votre présence, votre soutien. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc voilà, merci infiniment. Bon, prends soin de toi, yes, t'es au top.